La conscience que une station de sport d'hiver ne peut plus vivre seulement sur le ski, les saisons sont trop courtes, les infrastructures hôtelières deviennent extrêmement exigeantes, les clients sont exigeants, veulent beaucoup veulent du confort, des spas, des activités. Donc il faut absolument créer d'autres sources d'attractivité dans les stations et d'occupation pour les gens qui sont ici en vacances. Donc il y a une dimension aussi tout à fait importante de participation à l'économie locale. Et puis le dernier point, c'est un hommage à mon beau-père qui nous a laissé de l'argent de telle manière qu'on puisse se permettre d'oser, d'entreprendre des choses, que ce soit sur un titre professionnel ou sur un titre de passion pour cette région. La découverte de la peinture des peintres qu'on peint en Valais à travers l'exposition, la collection de mon beau-père. La prise de conscience que ce n'était pas seulement une peinture régionaliste, mais c'était aussi de la peinture avec un grand P. Et donc l'envie, dans un premier temps, de défendre cette peinture et de montrer qu'elle était plus une dimension régionale. Et puis le projet, ensuite, a pris de l'ampleur avec cette dimension de confronter l'identité régionale, l'identité locale, à une identité beaucoup plus vaste, beaucoup plus générale, beaucoup plus universelle quelque part. Et donc c'est maintenant ça qui est devenu le centre du propos.